Et ils ont décidé de mettre l'ambiance et c'est pas pour nous déplaire. Allez, Johan Lemeote au deuxième poteau. Ça peut donner un très bon ballon. Excellent ballon au deuxième poteau. Ah, j'ai mal vu, mais il me semble que c'est Alexandre Gamero qui a repris cette tête. Non, c'est Noah Fatar. C'est Noah Fatar qui a repris cette tête au second poteau, le plus petit de l'effectif, pour pouvoir effectuer une longue touche. Attention, Chevreuil qui est parti sur le côté droit. Le bon ballon là à l'entrée de la surface de réparation. Et l'excellente frappe et l'excellent arrêt de Baptiste Valette. Bon, le bon contrôle de Yankouba Jarju avec Johan Lemeot et Noah Fatar. Oh, il a trouvé. Ouh, cette action qui aurait pu être extrêmement dangereuse. Le bon dédoublement avec Messiatu. Messiatu qui centre au deuxième poteau. Milan Robin, il avait envie de mettre une deuxième volée. C'est pas terminé avec Noah Fatar. Noah Fatar qui va rentrer dans la surface de réparation, qui frappe et qui marque. Et qui marque ce premier but. Ouverture du score ici et de Noah Fatar. Enfin, enfin, Noah Fatar débloque son compteur. Le premier but pour lui de la saison. Son côté préférentiel en appui avec son capitaine Chérif Doumbia, mais ce sera finalement Johan Lemeote qui aura récupéré le ballon. Un bon contre pour Yankouba Jarju. Yankouba Jarju qui n'était pas loin de son cinquième but. En tout cas, bravo à Hugo Barbet qui lui a gardé ses cages inviolées sur cette action. Et attention à ce corner tiré au deuxième poteau et ce sera finalement dans les bras d'Hugo Barbet. Et c'est là que monsieur Chamel a décidé de renvoyer les 22 acteurs de cette première mi-temps au vestiaire. 1-0 pour le SO Cholet. Johan Lemeote qui joue aussi un petit peu plus haut. Le excellent ballon pour Yankouba Jarju qui rentre dans la surface de réparation, qui donne le très bon ballon à Noah Fatar. Oh, qui était à deux doigts de signer un doublé. Oh là 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 là, il était tout seul au second poteau, mais que c'était bien joué de la part de Yankouba Jarju. Du côté de Cholet, Messiatu, il est passé le bon ballon pour Yankouba Jarju. La petite feinte et ce sera le deuxième but. Ce sera le deuxième but. Et voilà, on le disait, Yankouba Jarju qui cherchait à mettre son cinquième but. Je le disais à l'instant, ça fait trois matchs qu'il ne marquait pas. Et bien voilà, Yankouba Jarju double le score ici sur la pelouse du stade Omnisport. Vous voyez, en tous les cas, le score en haut à gauche. Attention à cette ballon de Mohamed Sankaré qui a fini par trouver Doukou. L'excellente défense de Glenn Matondo. Et pénalty, pénalty pour Borgo. Monsieur Chamel qui désigne le point de pénalty et visiblement un carton jaune. Moustapha Sankaré, peut-être son premier but avec ses nouvelles couleurs. Et c'est parfaitement réalisé par Moustapha Sankaré qui réduit le score sur ce pénalty obtenu par Doukou. Ça fait 2-1 désormais pour le SO Cholet.